Je m'appelle Anthony Passeron, je suis très très honoré d'être à la librairie Finestres à Barcelone et je vais vous présenter trois livres qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier, c'est le premier roman de Maria Larrea qui s'appelle Les gens de Bilbao naissent où ils veulent. Maria a publié ce premier roman en même temps que moi, Les enfants endormis en France, et nous nous sommes souvent croisés dans des festivals ou dans des librairies et j'ai découvert à quel point son travail était proche du mien dans la démarche. Celui de réinterroger une histoire familiale pour proposer une autre histoire, la sienne, et en l'occurrence un très beau roman, absolument à lire. Le deuxième roman que je voulais vous présenter, c'est En finir avec Eddie Bellegueule de Édouard Louis. C'est un roman extrêmement important, pas seulement pour moi, pour toute une génération. Il est sorti en France en 2014 et il nous a permis de réaliser, chacun d'entre nous, que nous avions aussi des choses à raconter. La force de Eddie Bellegueule, de Édouard Louis, c'est de raconter sa propre histoire tout en faisant ressentir à son lecteur que lui aussi il a des choses à dire. Et en ce sens, il fait partie de ces écrivains qui laissent une porte ouverte derrière eux. Il m'a permis aussi de redécouvrir tout un tas d'auteurs comme Didier Ribon, Annie Ernaux, etc. Donc je n'aurais pas écrit de roman si je n'avais pas lu celui-ci. Et vraiment, j'encourage tous ceux qui veulent écrire à le lire. Et le troisième roman que je voulais recommander, c'est Un bref instant de splendeur de Ocean Vuong. Là encore, on est dans l'autobiographie, mais ici, j'ai trouvé dans ce livre une très très grande force esthétique, une immense poésie dans la manière de raconter une histoire extrêmement violente et des choix narratifs qui m'ont extrêmement interpellé et intéressé. C'est vraiment une manière de raconter une histoire avec une beauté absolument saisissante. C'est vraiment un choc esthétique, Ocean Vuong. Et si je suis ici ce soir, c'est pour présenter mon livre qui s'appelle en français Les enfants endormis, qui vient de sortir en espagnol chez Libros del Asteroide et en catalan chez l'Altra Editorial. Et c'est un grand honneur d'être ici ce soir et de pouvoir le présenter. Merci à tous.